Gauvrin, le régime algérien couvre les problèmes internes en créant des tensions avec le Maroc. David Gauvrin, ambassadeur d'Israël au Maroc, a estimé que les tensions dans les relations entre le Maroc et l'Algérie, après la normalisation des relations diplomatiques du royaume avec Israël, une tentative claire du régime algérien de détourner l'attention de ses problèmes internes. Cela est venu dans une interview avec la chaîne d'information israélienne, I24 News, dans sa version française, qui a été nommé ambassadeur au royaume du côté israélien. En réponse à la question du « prix élevé » des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, Gauvrin a dégagé la responsabilité de l'État hébreu en déclarant « Ce que le régime algérien essaie de faire, c'est de détourner l'attention de ses problèmes sociaux et politiques. » L'ambassadeur d'Israël à Rabat estime que « le potentiel dans la relation entre les deux pays est important, voire très important », et a ajouté « Nous avons entretenu des relations sociales et culturelles pendant des décennies, et nous avons réussi à créer des relations entre la société civile marocaine et la société civile israélienne. » Gauvrin a poursuivi « Mais le renforcement des relations, en reprenant nos relations diplomatiques, a permis le développement d'autres choses, dont le vol direct, les échanges commerciaux, et nous avons signé des accords économiques très importants, et bien sûr nous pouvons faire d'autres choses. Nous avons également créé groupes de travail dans divers domaines, notamment l'agriculture, l'eau, le commerce, l'industrie et autres. » Et le même porte-parole a indiqué que ces groupes de travail conjoints entre Tel Aviv et Rabat ont réussi à renforcer nos relations communes, et donc c'est une évolution importante, qui a été renforcée par la reprise des relations diplomatiques. Sur les domaines dont le Maroc peut bénéficier dans ses relations diplomatiques, le responsable israélien a déclaré « Israël a une grande expérience dans l'agriculture, l'eau, les technologies et le développement de l'agriculture dans les zones désertiques. Je sais que les Marocains sont très intéressés par les technologies israéliennes dans le domaine des énergies renouvelables. » En réponse à la question « Les Marocains reçoivent ces relations ?» a déclaré Gauvrin « Je vois le soutien des Marocains aux relations, et je rencontre de nombreuses personnes parmi les fonctionnaires et autres, et je vois leur soutien, et qu'ils sont avec cet accord entre Israël et le Maroc, et ils sont bien conscients que cet accord de paix profite finalement aux deux pays et peuples. » L'ambassadeur d'Israël a également évoqué le « grand bonheur des Juifs marocains », avec cette « reprise des relations », ajoutant « Nous avons des relations culturelles et sociétales entre les deux peuples depuis des années, mais nous n'avons pas eu de telles relations diplomatiques et politiques. » Guillemets double.